Ah, il fait bon aujourd'hui. Coucou, c'est Timpim, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais bien te parler de la différence entre bon et bien. Tout bien, c'est bon. C'est bon, ça veut dire c'est bon, ça veut dire c'est mauvais. Bon, bonne, mauvais, mauvaise. 那这个 bien，它表达的是中文里面那个双人旁的好，什么什么的好。那它的反义词就是什么什么的不好，我们用的是 mal。那么在这个视频中呢，我会讲这两个词在不同词性下的最常用的用法。我们首先来看 bon，当它做形容词的时候呢，它是有阴阳单复数的变化的，bon bonne。那么它最基本的意思就是好的，令人满意。或者是令人舒适的。Il gagne un bon salaire. J'ai passé un bon séjour en Corse. 那在法国生活，经常会听到别人说 "l'eau est bonne, l'eau est bonne"，不是说水很好喝，而是说水的温度很适宜。Bon, bonne 也可以说出色的，比如说 "c'est un bon film, c'est un bon film"，就是说 "c'est un film excellent"。Bon, bonne 也可以说某个人在某个方面很有才，比如说。Il est bon en maths, il est bon en langue étrangère，或者是 c'est un bon acteur。Bon 也可以表达好吃的，就是和 délicieux 是同义词。C'est bon, elle fait de très bons plats。当然，这里面插一句题外话，c'est bon 这个短语在不同的语调、语气下也有不同的意思。关于这个短语，我之前做过一个视频，可以及时查看。那我们继续。这个 bon bon 也可以用在表示祝愿的这些短语里头，比如说 bon courage, bon voyage, bonne vacances, bonne journée, bonne soirée, etc. 它还有一个意思是表示对什么什么有用的、有好处的。Manger des légumes, c'est bon pour la santé. Manger des légumes, c'est bon pour la santé. 最后，它还有表示有效的意思，什么什么还能用，比如说 le ticket est encore bon, 就是说 le ticket est encore valable.Le ticket est encore valable. OK, 这就是 bon 所有形容词下里面最主要的几个意思。那么再来看 bon， 它其实也可以做副词，就跟我视频开头说到的那样。Ah, il fait bon aujourd'hui. Il fait bon 不一定有太阳，而是说天气比较宜人。Sentir bon, ça sent bon, les fleurs sentent bon. 这里面也是用它的副词用法。那么再看它的名词用法，最常见的，比如说我们在说，优惠券的时候会用到这个词 ，un bon d'achat，un bon d'achat 就是说 un coupon。这个就是所有关于 bon 的不同词性以及它下面的不同用法。那么现在我们再来看 bien，bien 首先它是一个副词，就是代表什么什么的好。Je vais bien, tu parles bien français, elle a bien fait son travail。那它第二个意思就是表示程度上的加深和 tout à fait 还有 très 的意思差不多，比如说 nous sommes bien contents， 还有我们在点餐的时候，比如说牛排，服务员会问我们几分熟 quelle cuisson， 有的人会说 bien cuit bien cuit， 还有其他的表达方式，比如说 bien sûr bien entendu， 这里面都是表示程度加深的意思。那么它的第三个副词形式就 vraiment vraiment， 比如说 c'est bien moi。现在我们再来看到它的形容词形式，比如说我们经常会听到 c'est bien comme ça ou ce n'est pas bien， ne fais pas ça c'est pas bien， 就是说这样做是对的，或者是这样做是不对的，这样做是令人满意的，这样做是不令人满意的。那么在我们再来看它的第二个形容词表达的意思，修饰人的是表示这个人品行很端正，比如说 c'est quelqu'un de bien， 就是说这个人的人品很不错。最后我们再来看它的名词形式，首先我们经常会在这种短语中碰到，比如说 quelque chose fait du bien à quelqu'un， 比如说 ça me fait du bien， 就是说这件事情都让我感到很舒适。那还有一个意思呢，就是表示财产，比如说 les biens immobiliers。Les biens immobiliers. Voici, c'est tout ce que je veux partager avec toi, la différence entre bien et bon. J'espère que c'est bien compréhensible pour toi et que tu as bien compris. Ciao!